Petite séance de sport, excusez ma tête de fatiguer, mais ça vaut ce que ça vaut. Du coup, j'ai fini ma petite séance de sport. Là, je vais aller. Ça va être un peu ce matin, un peu spring reset. Cette matinée, ça va être un peu sorte de remise à niveau. On va tout planifier, tout ça pour le mois de mai parce qu'on est le 1er mai. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un clean reset, spring reset, everything, you know. Donc, premier lieu, on va enlever ces draps, les mettre à la machine. Je vais les mettre pendant juste 30 minutes, comme ça après je vais les étendre dehors pour qu'ils sèchent. Et ensuite, on va faire le ménage en bas. On va clean up ça parce que franchement, c'est catastrophe. Et pour le reste, on verra. Du coup, voilà. Then drop them drawers. I know what you are. I ask myself, is this shit real? I contemplate about how I feel, but you make it way too hard to think that this could be what you love. It took a lot of hard shit just to learn how not to break down and stop it. No matter what I see. Bon, alors là j'ai fini tout mon petit ménage, j'ai étendu mes draps, mon linge et tout, j'ai fait le ménage en bas, serpillière, machin, tout tout tout. Et l'aspirateur il avait plus de batterie donc je ferai cet après-midi je pense, ou en fin de journée, dans ma chambre et en haut, avec peut-être un peu de serpillière, je sais pas. Bref, là on va se préparer pour commencer cette petite journée sympatoche. Voilà, aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Déjà je vais mettre à jour tous mes trucs que je dois faire. Je trouve que j'ai trop bien fait mes sourcils là. Ils sont trop stylés. Bref, du coup là je vais me maquiller un petit peu. Ensuite je vais faire un tri. Il faut que je trie dans mon téléphone parce que j'ai plus de stockage. Et il faut que je mette tout sur mon ordi, sur mon disque dur. Ensuite il faut que je finisse ce que j'ai commencé hier. En gros, comme je suis en stage, après le stage il faut que je rende un rapport d'activité. Et donc en gros je tiens un sorte de journal de bord où je raconte en fait chaque jour qu'est-ce que je fais comme mission. Et du coup j'avais commencé à le faire au tout début et après j'ai été prise par le temps et je le remplissais pas. Parce qu'il y avait des journées j'avais pas l'ordinateur et tout, et quand je rentrais chez moi je le faisais pas. Du coup, je suis en train de remonter toutes les conversations WhatsApp avec ma tutrice. Parce qu'en fait, à chaque début de journée, elle me dit oui, on va faire ça aujourd'hui, et tout. Et du coup, j'ai tous les résumés. Donc, du coup, je suis en train de tout remonter dans les conversations et tout pour pouvoir faire ça. Ensuite, il faut que je me mette encore sur le magazine de l'école. Que je commence à remplir les pages et tout. Comme ça, les filles, quand elles m'enverront juste les articles. Et moi je vais juste les mettre dans le magazine. Donc voilà, je vais essayer des trucs aussi avec sur Illustrator et tout. Pour faire des designs un peu stylés. Voilà, après je vais chill un peu. Enfin, déjà je pense que tout ça me prend toute l'après-midi. Donc bon.
On verra bien. Mais voilà, entre guillemets, le petit programme que je vais faire. Il faut aussi que je lave mes pinceaux, make-up et tout, parce que là, ça fait un petit moment que je les ai pas lavés. Il faut que je fasse mes barres protéinées aussi. Oh là là, j'ai trop de trucs à faire. Je fasse mes barres protéinées. Il faut que je fasse... J'ai plus mes... comment ça? Mon céleri pour faire mon smoothie. Ok, du coup, mon petit make-up is done. Là, ce que je vais faire, c'est me mettre à mon bureau et noter tout ce que je dois faire. Pour, même si je le fais pas aujourd'hui parce que je sais que je vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais noter et ça va s'étaler ensuite sur la semaine, mais j'aimerais bien que ça soit fait au moins dans cette semaine là pour que tout soit bien clair et tout. J'aime bien quand tout est carré. Donc du coup voilà. Une fois que j'ai noté vraiment tout ce que je voulais faire pour la semaine et toutes les choses que je veux avancer et que je veux finir et tout, j'ai pris mon life planner. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis, vous savez ce que c'est. Et donc j'ai complété du coup le mois d'avril. Donc ça c'était par exemple mon vision board pour le mois de mars. Tout ça, après il y a eu tout le mois de mars. Bon, le mois de mars et le mois d'avril... c'était un peu compliqué, du coup il n'y a pas trop de trucs, mais du coup là j'ai repris. Et pour le mois de mai, je me suis trompée là, c'est pas avril, c'est mai, je corrige. J'ai noté en gros en fonction de mon calendrier qu'il y a sur mon ordi, je l'ai noté aussi là-dedans. Voilà, donc les choses en gros que je sais qu'il va y avoir et tout ça, et puis au fur et à mesure je viens compléter en fait. Et donc après vous avez les semainiers, donc voilà il y a des trucs qui sont pas complets parce qu'il y a des trucs que je sais pas encore ce qui va se passer. Et du coup voilà, donc franchement ça c'est vraiment trop trop bien, genre je trouve que c'est un lifesaver. Et vraiment le calendrier aussi comme ça c'est trop trop bien. Franchement c'est vraiment trop trop bien parce que ce mois-ci il y a grave des jours fériés. Et du coup ça va être des semaines courtes et assez cool, et je vais pouvoir me focuser sur mes trois trucs, donc le stage, le magazine qu'il faut rendre là, et ensuite j'ai une soutenance là, donc c'est grave short, donc de les tout combiner, plus la troisième chose, mes réseaux sociaux et les vidéos YouTube que je veux filmer, etc. Donc c'est pour ça que je note tout, pour savoir quand est-ce que je vais faire ça, là quand est-ce que je vais faire ça. Donc là si je fais ça, bah ça veut dire que je peux filmer, et du coup quand est-ce que je vais monter, bah je peux monter là 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 parce que mes horaires c'est comme ça. Enfin bref, c'est toute une organisation, mais c'est cool. Après au final le résultat il est trop bien, donc du coup voilà. Donc c'est, il est 15h, genre j'ai tellement envie de faire tous les trucs que je dois faire, mais je sais très bien que après quand je vais être là au dernier moment, je vais être là putain pourquoi j'ai pas fait ça avant, je sais, je me connais, mais là genre le fait d'avoir fait le ménage ce matin dans toute la maison en bas là, je finis ma petite vidéo et après je pense je vais aller nettoyer mes pinceaux, tout ça. Ensuite, je vais aller faire mes barres protéinées pour la semaine. Et voilà.
Pray you get that job in Tampa. That's only 4 hours away. Take a car, take a plane, baby, whichever is faster. Whichever one is in a hassle. Oh, damn, yeah. Never knew, no, I never knew that you be a freak and a friend too. Yeah, you into everything I'm into. I got something that I can lend you. A peace of mind, baby, come and get a peace of mind. Yeah. Say you gotta work from 3 to 9. I get you home by a decent time. Wait, fuck your bed, you can sleep in mine. Yeah, let's make it happen, girl, I need some time. Speaking of time, who stopped it? That's the feeling that I get when we lock lips. I got the weed at the crib and the liquor too. I fuck your soul, I release in your spiritual. I be your muse, bring your easel and pencils too. Here you go, you try and tease with them pictures. You could ride on me just like you ride the elliptical. She said I'm tryna keep it tight for my nigga. Girl, I like your last nigga. All I need is mental. You know I'll work you out, get you right. Jeff Vinny the Clean. Tout est propre. Bon, it's time to cook. Donc, on va faire ma recette de barre protéinée. Donc déjà, je vais voir sur le Insta de la meuf, vu que je suis en mode prise de masse. Je fais pas un truc à fond, juste genre je... Et elle met en gros des programmes, des trucs de prise de masse et tout, des exos à faire. Et ce que tu dois manger, et les calories et tout. Et la dernière fois j'ai screen une de ses recettes, donc ça s'appelle les barres énergétiques et caloriques chocolat banane. Donc pour faire ça il nous faut du flocon d'avoine. Flocon d'avoine, banane mûre, elles sont pas très mûres, c'est pas grave. Pépites de chocolat, bah du coup je pense que je vais remplacer par autre chose. Beurre d'arachide, miel et extrait de vanille. J'ai pas d'extrait de vanille, mais je vais mettre du sucre vanillé. Et voilà. Je viens de me rendre compte que dans la recette, il y a marqué en tasse. Genre une demi-tasse ou une tasse de flocons d'avoine. Deux tasses de banane mûre. Mais wesh. Non, pas deux tasses, deux bananes mûres. Une demi-tasse de pépites de chocolat. Un quart de tasse de beurre d'arachide. Je suis censée comprendre comment, moi. Non, c'est pas grave. Bon, alors, voilà ce que ça donne. Je vous avoue, je sais pas trop quoi en penser, mais ça m'a l'air bien homogène et tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme j'ai pas de moule pour faire des barres protéinées, je vais faire comme si c'était des cakes, des cupcakes, et je vais en mettre dans chaque truc. Comme ça, je suis pas obligée de les couper à chaque fois si je mets dans un moule à gâteau et tout. Genre juste, je le prends, je le mange et c'est fini. Genre. Du coup, je vais mettre du beurre, et après je vais les mettre au four, et il faut laisser... Il faut laisser 15 minutes. Chelou. Très chelou. Bon. Ça m'a pas l'air fameux. En même temps, vu les ingrédients que j'ai mis dedans, c'est un truc au pif. Enfin non, c'est une recette, mais je trouve qu'on sent trop le beurre d'arachide et ça gâche tout. Pourtant j'ai mis plein de sucre vanillé et tout justement pour que ça couvre l'odeur, parce que je savais que j'allais pas aimer. C'est que un par jour en vrai. Parce que c'est déjà ça là, un seul, c'est 1720 calories, un truc comme ça. Donc bon.
se démaquille en fait. Et on va faire un petit masque et tout. Donc comme prédit, mes sourcils ils étaient trop bien faits. Bref, comme prédit, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, mais je suis contente d'avoir pu faire cette journée. Quand même, j'ai fait plein de trucs. Là, j'ai mis mes draps à sécher et une fois qu'ils seront secs, je vais mettre dans mon lit, lire un livre et dormir. Parce que demain, on se lève tôt. Oh non, j'ai abusé. J'aime trop.